Et nut nut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Alphoris, petit gamer manche à votre service. On est aujourd'hui sur l'épisode 14, j'ai encore failli vous donner, enfin failli, je sais pas si vous l'avez vu du coup parce que j'ai eu un problème d'enregistrement de vidéo, mais dans une des vidéos que j'avais enregistrées, je vous ai donné l'heure et le jour comme si on était en live, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est une vidéo bordel. Bref, donc du coup ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, ça me saoule, à cause des problèmes avec Devil May Cry 3 bien évidemment, hein, les problèmes, vous les connaissez, de cinématique, de décalage, là normalement ça devrait être bon, et en plus c'est un épisode que je refais, parce que bah, il y a quelques jours, oui quelques jours, pour moi, pour vous c'est... C'était pas il y a pas si longtemps que ça la dernière vidéo, mais pour moi c'était il y a quelques jours. On a eu un petit problème d'enregistrement sur cette session-là. Je sais pas pourquoi, mais l'épisode 14, il l'avait pas enregistré. C'est-à-dire la mission 12. Voilà. Je suis extrêmement heureux de vous refaire cette mission. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est un véritable enfer. Et on n'a pas terminé, hein. Mais j'ai peut-être un petit truc, ça devrait aller vite. Du coup, je vous mets en plein écran, bien évidemment, et je vous montre la cinématique de début de la mission 12. J'adore ce personnage. Merci, Jester. Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. Vous l'aurez compris, ça pue du cul. Ça pue gravement du cul. Donc du coup, juste pour vous montrer, hein, bien évidemment, j'ai réussi entre-temps à faire monter le Gunslinger au niveau 3. On a toujours les mêmes choses d'équipé, hein, ça n'a pas changé, clairement. Je crois que j'ai augmenté... C'est ça, j'ai pris le drive. Et là, je vais pouvoir prendre bientôt le Air Hike. Donc j'ai pris le drive, quoique j'ai peut-être augmenté le Stinger, parce qu'on va en avoir besoin, clairement. On va en avoir besoin, il me restera plus que le Air Hike à monter sur la Rebellion. Et sur les armes, bah, Ebony et Ivory sont à fond. Voilà, donc c'est pour vous dire quand même qu'on a bien tapé dans la gueule de tout ce qui bougeait. Sur ces deux missions, parce qu'à chaque fois que je recommence des missions, je garde ce que j'avais avant, hein, bien évidemment. C'est un peu le principe. Bon, moi j'espère que vous êtes prêts pour la mission 12, hein. Moi je suis clairement pas prêt là. Mais genre vraiment pas. Mais c'est pas grave. C'est parti. Je disparais. Vous savez que j'aime bien vous laisser le jeu en grand.
Voilà, le néo-générateur détraqué. Réacteur magique qui s'alimente de l'âme de son possesseur. En échange, il décuple les forces de celui-ci. Et oui, bien évidemment. Le problème, c'est qu'il nous bouffe notre vie, comme vous le voyez. Donc il faut qu'on se dépêche et qu'on passe très très vite à la suite des aventures de Dante, parce que sinon ça va être le gros bordel. Et bien évidemment, on a l'ascenseur sur la gueule, ça va de soi. Sinon, c'est pas drôle. Alors, heureusement, dans cette mission, vous allez le voir, voilà, j'espère que vous l'avez vu, les ennemis nous donnent de la vie. Donc on peut récupérer de la vie dans le wagon. Allez, bam. Le problème, c'est qu'on va en avoir d'autres sur le chemin qui vont être assez casse-couilles, vous allez voir, parce que là, ils sont gentils. Hein. Là, ils sont très, très gentils. Hein. Allez, viens par ici, toi. Voilà, et forcément, on a le petit pépère qui est là. Voilà, et là, on a les mecs en blanc qui reviennent. Vous savez, les mecs super résistants et chiants. Ils sont là avec... Ah putain, j'avais oublié lui. C'était pas lui qu'il fallait péter. C'était lui. Je vais me prendre l'explosion avec, mais c'est pas grave. Comme on regagne de la vie. Et là, donc, on est en, bien évidemment, en mode démon, vous l'avez vu, infini. Pour éviter qu'on se fasse défoncer la gueule un peu trop facilement par l'orbe. Et que ce soit beaucoup plus sympa à gérer. Ah mais non, pas lui. Bon, ça va faire boum, malheureusement. Allez, meurs. Voilà, merci. Voilà, on est bon. Alors, heureusement que le jeu est gentil, hein, avec nous. Sauf si je me prends les escaliers dans la tronche. Voilà, vous vous en doutiez, hein, qu'on allait avoir des combats à mort de partout pendant ce temps-là. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, bah bonjour. Et non, vous ne rêverez pas, je crois qu'il y a un gros tas de soupe bien dégueu avec. Ah non, il est déjà passé lui. La grosse faucheuse, vous savez. Que je déteste. Que je maudis. Que la première fois qu'on l'a eu, j'en ai chié ma mère. T'as tapé à côté, gros. Là, j'essaie de voir un petit peu où sont les ennemis, là, parce qu'avec cette caméra, sans déconner, c'est pas simple. Hein. Ok, on est bon. Je vais aller chercher, voilà, les orbes et la vie, et on part. On va continuer, parce que c'est le gros bordel. Alors là, c'est juste si on a besoin de vie. Mais comme on n'a pas besoin de vie, on va passer. Et je vais tenter un petit tricks. Un peu à la con. Parce que dans cette salle, je ne sais jamais où je dois aller. Voilà, c'est le gros bordel. On va juste s'occuper d'abord des ennemis, si possible. Allez, tombe. Voilà, merci. Voilà, et donc ici, je ne sais pas comment on monte. Je vous le dis clairement, hein, j'en ai aucune idée de comment on monte là-haut. Donc, j'aurai peut-être un petit tricks à faire. Si il remarche, bien évidemment. Mais d'abord, je vais essayer de monter à la loyale. Ce serait quand même triste sinon.
Parce que vraiment, je sais pas pour vous, mais moi je n'ai aucune idée de comment on monte là-haut. C'est-à-dire que je ne... Voilà, je sais pas. J'ai déjà essayé la dernière fois, je vous rappelle, mais... J'en ai vraiment aucune idée. La caméra est chiante à mourir ici, en plus elle ne bouge pas. Donc j'ai vraiment... je sais vraiment pas comment on monte. Et en plus, avec les changements de perspective, bah c'est pas simple. Parce que les directions changent quelque peu avec les changements de perspective. Vous voyez, on... Voilà, donc je vais sûrement mourir comme une grosse merde. Là maintenant, d'ailleurs, c'est même pas la peine de continuer. Ici maintenant tout de suite, là. Voilà. On va faire le petit continuer. Et normalement, je suis en haut de la salle. Yes! Ça fonctionne! Ça fonctionne. Et ça, c'est juste trop bien. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais bien aussi qu'il y avait... Hop là. Bon, à chaque fois, forcément, j'ai le petit problème que vous connaissez. Hein. Voilà, c'est bon, il est mort. Nice. Et une fois qu'on connaît Devil May Cry, vous voyez, c'est pas difficile. Mais une fois qu'on connaît. Quand on se rappelle plus, c'est chaud. Et vous n'êtes pas prêt, mais enfin on est revenu à la normale. Je vais sauvegarder bien évidemment. Merci. Oui, c'est écrit déjà réussi hein, sur le truc. Je pense que vous l'avez vu. Et vous n'êtes pas prêt pour ce qui va arriver par la suite. Bienvenue dans le couloir en colimaçon. On va juste regarder 2 minutes. Non, je crois que j'ai 3000 et quelques. Attendez. Ouais, je crois que c'est ça, donc c'est... Merde, quel con. Donc c'est pas la peine. Par contre j'ai augmenté mon Devil Trigger, hein, je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai 4 orbes maintenant. Ça va nous être plutôt utile. Vous verrez. Voilà, et là on se prépare. Vous allez comprendre. Je vous laisse regarder. Technique de lâche en approche. Mais qui marche bien. Vous verrez. Voilà, la petite technique de lâche avec le petit safe spot de côté là qui est pas mal. Alors, je vais juste vous enlever la manette de sous le micro parce que sinon vous m'entendez spammer comme un débile. Ça doit pas être très agréable. Donc je vous aurais fait 3 boss déjà hein, en 4 jours. Vous êtes content? Pas fini. Vous inquiétez pas, ça va pas être fini malheureusement pour moi. Heureusement pour vous. Puis on aura rattrapé pas mal de retard avec, clairement. Allez, pam 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 pam. Voilà. Chicken, now gladiator.
just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show. Je suis d'accord avec lui, mais vous êtes là pour enjoy le show. Le show. Hey, vous enjoyez le show? Voilà, donc c'est Geryon, hein, pour ceux qui se demandent, pour le nom du boss. Très connu dans les jeux japonais, je sais pas ce qu'ils ont avec ce chariot de l'enfer à chaque fois, mais ils l'aiment bien. Ils l'aiment bien, le chariot de l'enfer, systématiquement, les japonais. Hein. On le retrouve quand même dans pas mal de jeux, le petit Geryon. Eh merde, je savais que j'allais en esquiver un, j'allais en rater une esquive. Alors en tant que gunslinger, forcément je suis toujours au loin, hein, c'est normal, pour ceux qui se demandent. Ouais, là, maintenant, faut faire attention aux petites bouboules qui apparaissent ici. Hop là, parce qu'elles vous ralentissent, ces saloperies. En plus de vous envoyer une belle attaque dans la tronche. Allez. Bah, il prend pas assez. Hein. Alors, je suis d'accord que ce qui est censé faire le plus mal, c'est censé être les armes au corps à corps, mais moi je suis en gunslinger, donc vous m'excuserez, mais je ne suis pas là. Voilà, là par contre, ici, on va s'amuser. Voilà. Et donc à partir de maintenant... Oui ! On va devoir éviter aussi les petites bouboules, voilà, qui vont apparaître. Et ça va pas être simple. Parce qu'il va nous les préparer, voilà, c'est ça. Et ah merde, quel con. Et il va nous les envoyer aussi, à un moment. Elles vont nous suivre. Et ça va être juste l'enfer. Là, pour l'instant, on essaie de les éviter le plus possible. Voilà, et on est reparti pour un tour. Il est gentil. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il envoie les bouboules rouges avec. Mais ils sont gentils encore. Il y avait un moment dans l'autre vidéo que je vous ai enregistré, enfin que je ne vous ai pas enregistré du coup, merde voilà, où on se prenait les bouboules comme ça et où elles envoyaient des pics. Ce qui n'était pas super ouf. Voilà, ça va être là. Ça va être dans pas longtemps je pense. C'est bon, là il va mourir. Eh ben non, écoutez, on l'aura pas eu. Tant mieux!
Bonjour, je suis Dante, je m'en balèque. Comment ça va? Voilà, donc du coup, je pense qu'on va se laisser là. Tiens, pourquoi pas? On va se laisser là pour l'épisode 14, c'est pas du tout là où je vous avais laissé la dernière fois. Mais on va se laisser là pour l'épisode 14, moi j'ai quelques trucs à faire, je reviens retourner un petit peu plus tard aujourd'hui. Vous, ne vous inquiétez pas, vous revenez demain à 17h et vous aurez l'épisode 15, dernier épisode de la semaine. Et je vous rappelle que samedi, donc le 5 janvier, je serai de retour en live à 18h. Et ce sera justement du Devil May Cry 3. Donc si vous avez envie de voir la suite de ce qui va se passer demain et samedi, c'est les rendez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, les dadas, c'est mon dada. Oui, j'étais obligé de faire celle-là, vraiment. C'est honteux.